Coucou tout le monde, c'est Aude. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite review sur un petit Lenormand d'Alexandre Musruk, donc qui fait plein de jeux, Petit Lenormand et autres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Simplement Lenormand ou Simple Lenormand. Donc voilà, le Simple Lenormand ou le Simplement Lenormand d'Alexandre Musruk. Donc, qui arrive dans une petite boîte. Moi, je lis dans une boîte toute simple. C'est suffisant. On a quelques cartes en anglais de présentation. On présente les cartes. Voilà. Donc, ça, c'est en anglais. Ensuite, on a un dos. Donc, comme son nom l'indique, c'est le simplement le normand. Simple le normand. Donc, comme son nom l'indique, c'est un oracle simple. Petit Lenormand simple, donc on a un dos basique, mais moi j'aime bien tout ce qui est simple. Voilà le dos. Et ensuite, on a une petite originalité quand même, on a 8 cartes alternatives. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc ici, on a l'arbre. Donc elles sont brillantes, hein, on voit bien. Ça brille un petit peu. Voilà. L'arbre. Ensuite, on a le chien. Donc le chien, on a déjà là une carte alternative. Bon, c'est pas un chien, c'est un chat. Voilà. Première carte alternative pour le chien. Voilà. Donc on a le chien. Ensuite, la tour. La tour. Voilà. Les oiseaux, alors les oiseaux, de petits pigeons qui roucoulent. Là, on a une carte aussi alternative. Voilà. Voilà, une carte alternative pour les oiseaux. Donc, on choisit laquelle on souhaite mettre dans le jeu. Moi, j'ai gardé les petits pigeons. Ensuite, nous avons l'encre. Très simple. Moi, j'aime bien tout ce qui est simple. Donc, voilà. La carte des chemins, du chemin, donc qui est vraiment là pour le coup un chemin, comme son nom l'indique. Voilà. Ensuite, on a la lune. Quelques petites étoiles qui scintillent au loin. Le renard. J'aime bien le renard. Les petits reflets. Ensuite, nous avons le jardin. On a un beau jardin anglais. Ensuite, nous avons le mont. Ah, celui-là, il va falloir l'escalader. Hein. Le mont. Le nuage, avec un côté plus clair que l'autre. Les souris qui viennent grignoter le maïs. Le monsieur. Donc oui, à chaque fois on voit donc le numéro de la carte et là on voit que c'est la Zucker. Voilà. Donc le monsieur alternatif, nous avons un deuxième monsieur. Voilà. Le seul truc dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser la technique des regards. Voilà. Parce qu'on a un monsieur de face et après la deuxième dame, elle est aussi dans ce sens-là. Voilà, donc le premier monsieur, le deuxième monsieur. Ensuite, nous avons la croix. J'aime bien cette croix. Le serpent. La cigogne. Belle dame de cœur. L'ours. Ici, on a un ours brun. La dame, donc première dame, et ensuite voilà la deuxième. J'ai choisi celle-ci. Donc la dame. Ensuite, on a le vaisseau. J'aime bien ce vaisseau. Ensuite, nous avons la faux, donc avec encore une carte alternative, tout qui est là. Donc on a deux faux. Voilà. Ensuite, nous avons le cercueil.
La Verge. Alors là, on a encore une carte alternative. Voilà. Moi, j'ai pris évidemment celle-là. Ensuite, nous avons la lettre. Une belle lettre avec une plume. Le bouquet. Le livre. Donc là, c'est un livre qui est fermé. Le soleil. Le trèfle. Alors là, le trèfle, on a aussi une carte alternative qui est celle-ci. Voilà, donc moi, j'ai choisi celle-là. Voilà. Ensuite, nous avons le cœur. Ça, le cœur, je le trouve très joli. Un beau rubis. L'anneau. Très joli également. Le cavalier, donc là pour le coup c'est un vrai cavalier. L'enfant, donc là on a une petite fille, mais on a aussi un petit baby. Voilà, un petit bébé. Donc on met celui que l'on préfère pour les tirages. Ensuite nous avons la maison. Une belle maison bien, bien solide. La clé. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est la carte de la clé, c'est la clé. Il n'y a pas d'autre chose pour nous perturber. Donc un lys blanc, un beau lys. La carte de l'étoile. Elle est vraiment sympa celle-là. Et la carte des poissons. Donc là, pour le coup, on a un banc de poissons. Bon, il est bien refait. Voilà. Les petits poissons. Donc voilà pour cette review. Donc si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!